D'abord, constater avec vous qu'il y a beaucoup de scandales au Sénégal, de tous bords. Le scandale le plus récent, c'est celui des passeports. Comment un député investi du suffrage universel puisse aller vers ce trafic de passeports? Ce n'est pas digne et ça détruit l'image du Sénégal. Nous déplorons cela parce que le peuple leur a tout donné. Ils n'ont pas pu faire le retour vers le peuple, c'est-à-dire respecter leur dignité, respecter la diplomatie sénégalaise, puisque le député, c'est la deuxième personnalité de l'État. Cela n'a pu se faire. Nous déplorons cela. Et puis l'élan avec lequel le régime est en train d'aller pour régler ce problème ne rassure pas. Ça veut dire que tous ceux qui sont du côté du régime, qu'ils fassent du mal, qu'ils fassent des détournements, qu'ils sont sur la mauvaise chose, la mauvaise action, c'est toléré. Nous, nous venons pour rectifier cela, puisque le président Macky Sall est un président jeune. Il n'était pas comme le président Ablaïwad qui avait de l'âge. Donc, il ne méritait pas qu'on le trompe à ce niveau-là, qu'on détruise l'image du Sénégal. Et je pense que c'est un problème à régler, c'est un problème sérieux au niveau international. Déjà, vous avez vu les interventions de la France comme d'autres pays. Je crois que le Sénégal doit aller vers le règlement de ce problème-là et mettre les députés sur la loi, ce que la loi demande.